Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Elden Ring. Les insectes. Faites pas gaffe, hein, je ne fais que passer, hein, tranquille. Tu veux m'ouvrir ou toi passer lentement à côté d'eux? Bah... ça s'est plutôt bien goupillé. C'est quoi ça? Oh là là! 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 Ça fait pas tant de dégâts que ça finalement. Parce que leur attaque de Simour là. C'est juste extrêmement casse-couille. Voilà, easy. L'attaque est tenue, ça dépend du niveau du mob, ceux-là sont faibles. Yep yep. Lame météorique. C'est un katana ça je crois. Ouais c'est un katana. Katana ça compense pas assez. Les niveaux dégâts, on parle un peu plus. Ouais, j'avoue. C'est qui lui déjà? Ah oui, c'est le dragon de la putréfaction là! Je fais quoi comme dégâts? Vas-y. KHP, bah je sais pas. Je pense plus. Alors, disons que c'est pas tellement ces HP qui m'ont qui m'ont choqué là. Récupère-moi ces putains d'âmes. Je me suis buté avec un spell, il a failli me tuer d'outre-tombe. On va se calmer frérot. Je peux bien piller des tombes tranquillou, non? Oh.
Paf. 20 000 HP. Ouais. Ça me paraît déjà un peu plus... Il drop 45 600 runes. Bah, c'est bien pour lui. C'est très très bien pour lui. Mais plus tard. Un autre jour. Quand j'aurai 100 niveaux de plus. Et que j'aurai déjà fini le jeu 4 fois. C'est déjà... Et mes âmes, bien évidemment, elles sont encore en haut. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh ! Mais qu'est-ce que... Ça suffit les conneries là ? Oh ! Lâche-moi la grappe ! Allez, foutez-vous sur la gueule, va. Non ? Non, toujours pas ? Bon, d'accord. Allez, let's go! Ils ont besoin de renfort. Mais je vous aide! Ouah! Mais... Je vous aide. Vous apprendre moi. Mais non, crève. Oups. Mais... Ha ha ha!
Paf! Ouais, tu peux toujours récupérer le talisman niveau 0 du physical damage reduce. C'est les Andorre, là, du sanctuum bestial, t'as la grande gargouille, t'as le centaure contre bas. Ah oui, c'est vrai que, ouais. Le fameux endroit où on avait galéré pour atteindre. Mais non, je pense. Faudrait que je sacrifie un autre de mes talismans et ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Oh d'accord. Hey, let's go! Les talismans pour ce build décale à Ramadan sur 6 pour faire des sons d'Argon Crazy Spirit Chili. Catherine, tu peux mettre celui de la tortue. Vous pouvez pas activer le. Le Raku Sao? Celui du Great Jar qui augmente le load. Comme ça, t'es un tank sauteur. Jumping tank. Oh putain. Oh! On se calme! J'ai dit on se calme! La voix du lion rouge. Ouais, la place du Radagon Sorcil, quand t'as accès, tu le changes par la Earth Tree Favor. Plus 2 qui est bien mieux. Talisman! Talisman! Je les aurai un jour. Ils se sont tués! Augmente ta vie, Stam, et équipe load. Bah ouais. C'est un de mes goals. Oh, allez, viens là, toi. Ok, peut-être pas aussi près. Allez hop, ça dégage. La première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai fait à 100% pour savoir où était, quoi exactement, et m'en souvenir comme ça. J'ai fait mes trois autres persos, c'était easy. Bah oui, forcément. Bonne nuit, Ludvika. Bonne nuit, bonne nuit. Merci d'être passé.
Hop là. Mais monte. Mais je te conseille de faire un match car t'auras pas les mêmes challenges. Ah oui, oui, non, mais un jour je ferai un mage. Un jour. Mais c'est juste le gameplay mage dans ces jeux-là, ça a jamais été trop ma tasse de thé. Je sais que c'est efficace et tout, hein. Oh putain de merde! C'est... faire un battle mage comme ce que j'ai fait. En vrai, il y a plein de bulls différents à faire dans ce jeu. Ça, à partir d'un moment, tu peux plus être mage tout court. Je sais pas. Je te crois, hein. Mais comme j'ai jamais fait de mage dans ce jeu ou dans aucun FromSoft d'ailleurs. J'ai jamais. J'avais fait un cléric sur Dark Souls, je sais plus combien. Le 3, je crois, quand on l'avait fait ensemble. Comment ça, je mens? J'ai jamais fait de mage. J'ai fait des clérics. Mais mage, j'ai jamais fait. Enfin, mage, sorcier, voilà. Une hommage sur Dark Souls 2. Hein? On a fait un mage ensemble sur DS2. Ah bon? C'était... Je m'en rappelais même plus que c'était des mages, t'es sûr? J'ai aucun souvenir d'avoir joué ce gameplay, hein. Les vidéos pour prouver où tu balances des soul spears. On a fait cléric et mage après. Sérieux? Putain, j'ai aucun souvenir, quoi. Comme quoi, gameplay mage, voilà. C'est pas hyper intéressant. Putain, je croyais que c'était un item. Salaud! Comment tu oses ne pas t'en souvenir? Je suis désolé, colonel, mais vraiment, j'ai aucun souvenir d'avoir eu ce gameplay un jour, quoi. La Moonlight Greatsword. Oui, ça, avoir utilisé cette arme, ça oui. Je ne dispute point. Demain, attends. Putain, ouais. Oh merde. Oh merde. Ah, j'avais oublié, j'avais effacé ça de ma mémoire. Ah, je suis confus. Oh merde. Bon bah, j'ai joué mage. Bon, si tu remontais dessous l'escalier là.
plus, on a été jusqu'en NG plus 3 en mage. Ah, je sais qu'on était allé loin sur ces, sur des persos. Le plus loin, je crois que c'est Dark Souls 3. On était allé jusqu'en NG plus 4, 5, je sais même plus. Oh, mais les DLC de Dark Souls 2, ils sont démoniaques. Comme eux, là. Ok. Que ce soit Journey 6, on n'a pas forcé. Oui, 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 c'était assez easy. Oh, tu veux bien prendre tes dégâts? Oh mon dieu. C'est pas une bonne technique que j'ai là. Rouler sur tout sauf certains boss. Yep. Des putains de crevettes là! Glimper le mage, c'est pareil, dès la moitié du game, t'as une arme au cac qui tabasse plus des dégâts en edge. Oh mon dieu! J'avais 27 000 âmes. J'avais 27 000 fucking âmes. Là où je suis dead. Mais comme ça, j'ai de la merde. Tu peux pas te relever. Putain de merde. Mais putain de... T'as joué mage, comme mage c'était un peu plus chiant à play, car la mana dans le 3 et Elden c'est plus simple que le nombre de spells illimités. M'en rappelais même plus. Bah de toute évidence je m'en rappelais plus mais Et que de Dark Souls 1, le nombre de spells est plus avantageux que la mana.
Mais dans Dark Souls 2, avoir un nombre de spells, c'est plus chiant car tu te reposes moins vu que t'as des life gems. Par contre, le coop dans le 2, c'était l'enfer. Mais un enfer différent du 1. Dans le 1, la coop était quasi impossible étant donné que on n'arrivait jamais à capter nos marques. CF, je suis dans la merde. Quand tu voulais m'aider pour Artorias là. 200 ans pour trouver la marque. Putain de merde. Moi j'étais dans le mal absolu, j'avais besoin d'aide pour ce vieux boss de merde. Mettre un anneau spécifique avec les deux. Avec les dieux. Ah oui, l'anneau de. Ouais. On mettait Zinder, God of Desire, car c'était le cochon. Le cochon! Mais. Je sais pas pourquoi, des fois, ils me crêpent, mais on sait pas comment. Même eux, ils savent pas. Ils font des trucs, ils savent pas. Tu peux pas mettre ta marque blanche dans certaines zones, faut mettre la marque temporaire. Ouais, ça je m'en rappelle aussi, ouais. C'était bien chiant, effectivement. Toi. Ah merde. Comme la zone avec l'embryon juste avant d'avoir la forêt embrumée. Ouais. Flamberge. Bobu, t'as de l'espoir toi. Faudrait qu'on fasse tous les Souls en coop pour YouTube. Bah j'ai déjà fait les marathons Dark Souls, mais c'est vrai que c'était pas en coop. Ou en de très rares fois. Donc ouais, carrément, ouais. Faudrait essayer de motiver Iradeus aussi. Oh ! Dark Souls 1, 2, 3, full DLC, coop à 3. Bah normalement ouais c'est possible. Bah je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Tu pouvais avoir plusieurs invoques hein. Faudrait checker mais moi je pense que c'est possible. Hein. Oh les dégâts du... Hein ? Sur DS3 c'est possible. Je suis sûr que même sur le 1 et le 2 c'est possible.
Sur DS2 pour les boss, je sais que c'est possible. Sur DS1, j'ai jamais eu d'invade pour face qui était de moi. Bah, je sais que tu peux invoquer. Sur les boss, c'est sûr. Dans le 2, en tout cas. Dans le 1 aussi, me semble. Mais pour l'explo, pour les zones, je... Là, par contre, ouais, je sais pas. Je sais pas. Faudrait checker. Oh, putain. Aïe! Dans la version remaster du 1, un skip c'est possible. Ah bah c'est pas improbable, ouais. Is pas improbable. The Dark Souls Remastered game lets you have up to 4 players in online co-op if you're wondering about it too. In addition, the game adds another online invader. Ok. Good to know! Hop là! Salaud! Salaud! Et un jour, il va m'avoir avec ça. C'est nouveau, il n'y avait pas ça dans le jeu de base. Ouais. T'imagines, en 2010, la 3G plus Invade puisse continuer à dire que l'online était claqué. Ouais, putain, ouais, j'avoue. C'est vrai que l'online du 1, il était tout pété. Qu'est-ce que tu prends une arbalète au corps à corps, toi? Ouf. Dans Scholar of the First Sun, je skip tous les 3 joueurs. Ok. Donc il faut effectivement prendre les versions remasterisées du 1 et du 2, quoi. Coucou. Oh mais vas-y l'outil. Oh. Merde. Putain, j'ai le message, j'ai dit.
Mais qu'est-ce que tu fais ça, toi? Voilà. On pourra faire ça en été si vous avez des CP sans partir en vacances. Bah écoute, ouais, faudra qu'on se cale. Faudra qu'on se calme, mais ouais, carrément. C'est tout ce qu'il y avait à faire là? Il n'y avait pas de super secret area avec un super objet pas pour mage. Oh. Allez, Mim, monte sur ce mur. Le L2, ça fait longtemps que j'y ai pas play. Bah moi aussi. Moi non plus plutôt. Memories. Ok. Que je l'ai fait solo avec toi, avec votre pote et avec Issou. Ouais, c'était il y a un moment. Ah, J'ai moult de messages là. Ok. Paf. Dernier let's play c'était avec Issou. J'avais pas fait refait de perso, je l'ai fait en coop troll. En mode je fais un pour 1% de dégâts au boss et stop. J'ai donné 120 braises à Issou, comme ça il était large pour être humain coop. Ouais. Bon. Sur ce boss là, ça. Ça va être 1. Ah, je voulais pas faire 2. Putain. Mais... Dis-moi, les boss crevent vite. Issou qui me dit tu triches, comment t'as 120 braises? Je lui dis j'ai fini jeu 9 fois avec ce perso, j'ai 15 millions d'âmes sur moi. Pour monter d'un niveau, il faut plus d'un demi-million d'âmes. Non mais lui... Voilà. Oh mais vas-y, putain! Mais qu'est-ce que tu touches là?
Oh mais... Putain ! Arrête de... Il spam ! Ça me gonfle ! Pourquoi avec un boss sur deux ? Bah parce que le deuxième il pop après. Il a toujours pop après. Ah non, non, non. Oh. Allez. Putain. Oh là là. Vite, meurs! Allez, merci. Ouh. Auto, ça marchait bien! Putain! Oh, ça me... Il y a des moves qui contre la technique sur R2. Visiblement. Faut lui faire envie de donner des coups de queue. Quoi ? Comment je fais ça ? Au secours ! Allez. Oh mon Dieu. Oh, vite, vite, vite. Oh, mais il se relève instant. Ok. J'étais bloqué sur le poteau, mais nita, je... Merde. J'étais bloqué sur le poteau.
Ouais, ok, bah oui, bah évidemment. Évidemment qu'il me balance une attaque d'un coup sortie de nulle part qui me one shot, évidemment. Mais va te faire foutre, putain! Ça me laisse un fiole, je respecte. Ouais, bah pour ce que ça sert, hein. Il m'a fait de toute façon one shot et il... J'en ai ras le cul, putain de merde. Mais putain, pourquoi le... Et l'autre, il est là. Oh là là. Oh là là. Ok, il a pété la tente. Ça sert à rien, mais... Ok. Mais putain, mais ils attaquent à l'infini. Ils attaquent à l'infini. J'arrête de jouer pour ce soir, j'en ai ras le cul. Lâche-moi la manette. J'en ai ras le cul, là, je fais là, ça m'énerve. Là, je suis plus en état, là. Je rage trop. YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dans le prochain épisode, salut !